Cinéma. Bon, on va au restaurant alors. Au restaurant, j'aime pas manger au restaurant. Ben, on va à la maison alors. Je préfère rester dehors. Ben, on va au parc alors. Mais là-bas, il y a que des jeux pour enfants. Ben, j'en ai marre. Tu dis toujours non. Bon, allez, moi je me casse. Salut, hein. Salut. Vous aimez pas quand vous êtes trop collés? Non, non. Pas trop. Parce que c'est, des fois, c'est très énervant. Viens, on va au cinéma. D'accord, j'aime bien le cinéma. Ah, mais non, on va au restaurant. Ouais, pourquoi pas. Ah, j'ai une meilleure idée, on va à la maison. Bonne idée, j'aimerais bien. Oh, mais plus mince alors. Tu dis tout le temps. Oui, oui, d'accord, d'accord. Tu m'énerves, hein. Salut, moi je m'en barre. Alors, quand on a une amoureuse, on a envie de lui annoncer ou pas? On a envie de lui annoncer, mais on attend. Mais on a un peu peur, on attend vraiment que c'est elle qui fasse le premier pas. Mais on veut vraiment faire le premier pas, mais on a peur et tout ça, on veut pas. C'est quoi son numéro déjà? Ah oui. Allô? 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis débile? Pourquoi j'ai raccroché? Souvent, quand on aime deux personnes, on alterne. Donc, par exemple, on est avec une personne, cette personne nous quitte, hop, on va vers l'autre. Et on attend que l'autre personne qui nous a quittés avant revienne. Je suis tombée amoureuse d'un garçon, tu pourrais nous donner tes conseils et... Si je dois le garder en secret ou pas? Si tu l'aimes vraiment, vraiment sincèrement, tu l'aimes vraiment beaucoup, moi je te dirais que... Que tu lui dises en face, mais tu vois, si t'es pas vraiment, vraiment super amoureuse de lui, je peux le garder en secret. Si c'est elle qui nous quitte, si on l'aime vraiment, on pleure. Non. Si c'est nous qui la quittons, on leur dit, j'en ai marre, tu m'énerves, je te quitte. Si elle nous aime vraiment, elle pleure.